Donc ça c'est Cap Cose, là tout à droite. Ouais. Et tu suis jusqu'à Baigmay tout à gauche. Baigmay. Et là tu vois l'autre côté, le fort de Cap Cose. Ouais. Et ça c'est la baie de Conca. Les châteaux. Ouais. Là, ça se pêche pas au bouchon. Là. La dorade, ça se pêche à fond. Avec travers qu'on appelle le bibi. Mm-hmm. Il lance et puis il repose sur le fond. Ah, d'accord. Et la dorade, c'est un poisson qui fouine un peu. C'est bon, la dorade. Ils appellent ça ici les gueules pavées. Ah bon? Parce que quand tu ouvres la bouche de la dorade, on voit bien, tu dirais, des pavés. Ah oui, d'accord. C'est pas des dents. Il y a des dents aiguës, mais il y a aussi de quoi écraser les mollusques. Ah oui. Elles mangent des moules, elles cassent la coquille, hein, ça arrive. Plage des quatre sardines. Ouais, c'est ça comme ça. Il y a un autre nom, mais. Ouais. Un caire quelque chose. Ouais, je l'été, il y a des gens qui se viennent là. Ouais, oui, il y a. Bon, c'est pas bondé, non. Non. Le plus de monde. Il y a un camping juste au-dessus, donc les gens viennent là. Le camping. Nous sommes à Fontavenne. C'est un reste romain, ça. Xavier Gras. C'est marqué 5 chemins de lit de hautes herbes. La rivière s'appelle l'Avenne. C'est sûr que c'est plus joli marée haute, mais c'est aussi une façon de voir les choses. Ah ouais.
Tannen. Voilà. Ah, la ville close. Les concarnes. Ouais. La ville close, là. Oui. Et encore, c'est pas au maximum. L'été, il y en a trois fois plus. Ouais, je pense, ouais. J'ai un doigt qui me blesse. Bon, je peine. Un ongle qui est bandaillé. Ouais. Ah, la petite chapelle, là. Oui. La petite chapelle. Pardon. De Quimper. Saint-Corentin. Cathédrale Saint-Corentin. Thank you.
Là, ça fait plein soleil. Ça marque en face là. Donc tout en bas, il y a l'Odet qui coule vers la mer. Maintenant, on ne va pas tourner la désigner.